Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un prédateur impressionnant, le crocodile. Plus précisément, nous allons explorer le monde fascinant du plus grand crocodile jamais enregistré. Attachez vos ceintures, car cette aventure va être captivante. Numéro 1. Le crocodile marin. Mesurant en moyenne de 4 à 6 mètres, le crocodile marin est le plus grand reptile vivant sur Terre. Cependant, certains spécimens exceptionnels ont été enregistrés dépassant les 7 mètres, voire même jusqu'à 8 ou 9 mètres. Imaginez la puissance de cette créature impressionnante. Le crocodile marin habite les estuaires, les mangroves et les rivières côtières. Son apparence imposante et sa force lui permettent de chasser avec succès dans l'eau et sur Terre. Sa mâchoire est remplie de dents acérées, et il est capable d'exercer une pression écrasante lorsqu'il referme ses mâchoires sur sa proie. Les crocodiles marins se nourrissent principalement de poissons, de tortues, de mammifères marins et même de grands animaux qui s'approchent trop près des rives. Le crocodile marin change des habitats en fonction des saisons en jonglant entre mer et eau douce. Une capacité d'adaptation qui lui permet d'accéder à un vaste éventail de proies qu'il ne fait qu'une bouchée. Un grand plan montre un reptile gigantesque qui utilise la force de morsure la plus puissante au monde. En 2011, le spécimen le plus important découvert avait une longueur de 7 mètres et pesait une tonne. Il est l'un des plus importants membres de l'ordre des crocodiliens, en compagnie du crocodile du Nil africain et du caïman black d'Amérique du Sud. Pendant qu'il observe une proie, ses mâchoires, qui comprennent 64 à 68 dents pointues, lui confèrent la plus puissante morsure de tous les animaux vivants. Ce chasseur opportuniste nocturne dévore tout ce qui lui passe sous les crocs, des singes, des kangourous, des sangliers, des varans, des dingos, des gaures, des léopards, des tigres, des buffles, des requins, des oiseaux et des charognes, ainsi que de nombreux autres reptiles et mammifères. Si sa zone de distribution est adjacente à celle d'un congénère, comme le crocodile de Johnson, il est susceptible de l'attaquer pour le consommer. Parfois, les crocodiles marins intègrent des pierres et des cailloux pour aider leur digestion. Les insectes, les amphibiens, les crustacés et les poissons sont les proies des plus petits et des plus jeunes crocodiles et l'animal est un prédateur redoutable qui peut attaquer les humains, plusieurs assauts mortels chaque année. La reproduction des crocodiles marins est un processus fascinant. Les femelles construisent des nids de terre où elles déposent leurs œufs, qu'elles protègent farouchement. Lorsque les petits crocodiles émergent de leurs œufs, ils se mettent immédiatement à l'eau et commencent leur voyage vers l'âge adulte. Seuls quelques-uns survivront pour devenir de redoutables prédateurs. Malheureusement, en raison de la chasse excessive et de la destruction de leur habitat, les crocodiles marins sont aujourd'hui une espèce menacée. Des mesures de conservation sont mises en place pour protéger ces magnifiques créatures et préserver leur écosystème. La sensibilisation du public et la mise en œuvre de réglementations strictes sont essentielles pour assurer leur survie à long terme. Voilà, nous avons exploré le monde fascinant du crocodile marin, le plus grand crocodile au monde. Leur taille et leur puissance en font des prédateurs redoutables de notre planète. Souvenez-vous de l'importance de préserver ces incroyables créatures et leur habitat naturel pour les générations futures. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure, et à bientôt pour de nouvelles découvertes palpitantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne.